bien au bonjour. Donc, on est présentement par principal de notre cher Orléans. On est arrivé il y a environ, je ne sais pas trop combien de temps, peut-être 2h30, je pense que c'est la chapelle principale. Il est environ 5h15. Le soleil vient presque de tomber dans quelques minutes. Ça semble fermé à soir, mais il y a beaucoup de vendeurs de plein de trucs. Est-ce que je peux voir? En fait, c'est la première fois que je viens en ce moment là. Dans la place centrale, je viens d'arriver chez McDo, qui était là-bas. Vraiment, c'est le premier McDo, je trouve, du Nicaragua, prenant en considération que je suis arrivé du sud. Il y en a à Managua, qui est la capitale, mais je ne me suis pas nécessairement trop arrêté. Donc, voici la chapelle. Il y a quand même beaucoup d'oiseaux, check. Attends, je peux-tu zoomer, Victoire? Ah, non! Attends, oui, je pense qu'il y a des oiseaux. Victoire, plein d'oiseaux. Ça, par contre, je pensais au début, ça aussi, c'était des oiseaux, mais c'est juste que c'est la peinture qui t'a chié. Mais en haut, vous avez beaucoup d'oiseaux. Oiseaux! Mais bref. Donc, ça a l'air à s'animer. Je crois, je sais pas si vous voyez là-bas le lion. Eux autres, c'est probablement genre Lyon. Donc, je pense que le nom de la ville veut dire tout simplement Lyon en français. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur la place centrale, là. Niveau premier aperçu, il y a l'air d'avoir plus de vendeurs que de personnes, honnêtement. Littéralement. C'est en haut. Oh, je pense vraiment, que c'est des lions. Attends. Oh mon dieu, des pauvres cons. Mais ouais. Il y a genre plein de lions ici, genre, sur la fontaine principale. Oh mon dieu. Des affaires de direction. Mais ouais, donc je crois vraiment que c'est le nom de la ville, Lyon. Parce qu'il y en a encore, il y en a là, il y en a d'autres là. On les voit-tu? Il y a tellement de lumière. Oh, la place n'est pas finie. Ok, je pense que c'est qu'il y a plus de monde. Ça, dans le fond, ça va être le coin des restaurants, genre devant l'église. C'est vrai qu'elle soit pas ouverte à soir. Pourtant, on est-tu jeudi ou vendredi? En tout cas, bon, je pense qu'on est vendredi aujourd'hui. Généralement, le vendredi soir, c'est une bonne journée pour prier Dieu. On a aussi perdu ses saints si tu veux en amener. Beaucoup de Coca-Cola. Honnêtement, ici, c'est vraiment le paradis du Coke. En plus, c'est vraiment pas cher, genre. Ok, donc, il semble que la place centrale vient de se finir. Ah, c'est ça que je disais, genre, par rapport au Coke. Genre, check-moi les caisses de Coke. Attends, c'est une rue passante? Je crois que oui. Ah, check-moi le coke, j'adore le coke. Oh, attends, je pense que là-bas, il y a d'autres choses. Ah ouais, j'apprécie. À ce moment, je fais juste la vidéo, genre, pour mettre l'introduction sur le blog, genre, bienvenue à Lyon, un peu plus sur Lyon, puis blablabla. On continue. Oh, attends. Ouais, ça a l'air d'être le chemin avec les personnages importants. Tristement, je me demandais c'était quoi le... Ok, je sais pas ce que c'est le FSLN que vous voyez là, mais il y avait une montagne. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la centrale. Je pense que c'est pour jouer au basketball. Oh, il y a quand même une belle muraille dans le fond. Hein. Mais ouais, ça pour dire que je pense que c'est là qu'il y a... En tout cas, oui, le FSLN. Il y avait comme un... À Managua, j'ai passé genre pas trop de temps. Mais c'était comme la capitale. Puis j'ai comme marché 7 km pour me rendre du stop de mon bus jusqu'à l'arrêt de bus. Puis il y avait sur une grosse crête de montagne, je pense que c'était peut-être un volcan ou autre. Il y avait... il y avait justement ces initiales-là, FSLN. Comme, mettons, le Hollywood, mais genre crissé sur une montagne en genre de style volcan, genre. Il y a quand même des beaux Art Street, c'est quand même bien. Ça me rend beaucoup, genre. Oh, attends, c'est-tu Fidel Castro? Je crois que oui. Mais. Donc, ouais, ça pour dire que. Ah, mon dieu, une autre petite place. Oh, beaucoup plus belle. Ça pour dire que je pense que cette vidéo va être dans l'introduction un peu plus sur Lyon. Et où? Comment ici, c'est débile comment il y a des chiens errants. Ben, tu sais, les chiens errants sont vraiment cool, par contre. Ils sont super gentils.
Tu sais, généralement, j'ai pas peur des chiens errants, mais genre, quand je marche, je déteste ça tant quand, mettons, ils sont derrière moi parce que j'ai tout peur de me faire, genre, mordre le mollet, genre. C'est arrivé, genre, je pense, une fois, genre, j'avais peur d'avoir l'arraché, c'est dans le temps que j'avais pas une calice de 7, genre. Donc, inévitablement, j'avais espéré, parce qu'il paraît que, tout cas, c'est 14 jours, puis blablabla, puis après 14 jours, t'as absolument aucun symptôme, ben, bref, t'as pas la rage, fait que tu vas pas mourir. Bref, j'étais comme dans ma tente, dans ce temps-là, puis je faisais un truc d'extension de temps, puis j'avais pas une crise de sang. Puis j'avais vraiment peur, tu sais, je vais donner un petit. Je vais donner mon courriel au propriétaire, mais genre, jamais il m'aura envoyé un courriel si, mettons, son chien aurait des symptômes. Oh. C'est comme. Ouais, bref, c'est pour ça que j'aime pas ça quand un chien est derrière moi, vraiment. J'arrête pas à regarder le chien quand il est derrière moi, c'est vraiment insane. Puis ici, il y a vraiment beaucoup de chiens errants, ce qui est assez. Exceptionnel! Bon, ici, t'as pas grand chose. Oh, je pense qu'on va à la grosse église là-bas. D'ailleurs, dans les activités à faire ici, il paraît qu'il y a une église qui est vraiment genre sick. Genre, je pense que c'est genre, tu peux comme aller marcher dessus, puis tu sais, dessus sur le toit, puis t'as comme une vue sur la ville, whatever. Faut que je check c'est où exactement sur Google ce soir. Mais, ouais, donc ça va être dans mon planning au cours de la journée. Peut-être demain. Parce que demain, mon gros planning, c'est de me pogner le cul dans toute la ville puis de me promener, genre, comme sentir la vibe de la ville, genre. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, en ce moment, on est dans la place principale. Ben, peut-être le deuxième square principal, genre. Puis, genre, pas une crise de police, puis dans le square principal, genre. Vous avez vu encore aucune police. Un moment, Nicaragua, puis la police, ça fait deux. Tu sais, quand tu viens ici, ben, genre, mettons, quand tu vas dans. Tu mais. Quand tu vas, mettons, sur. Tu sais, le site du Canada pour les voyageurs, blablabla. Dis Nicaragua, super dangereux, blablabla. Mais Chris, s'il n'y a pas une calice de police. Ça, non, j'en vois jamais. Capitale et autres. Fuck off. Aucune calice de police. La police, c'est vraiment un mythe, c'est genre. Si tu vois, genre, des fois, tu vas penser que c'est des costumes d'Halloween, tellement que c'est une joke, hein, quand t'en vois, t'es comme là. Là, réellement. Non, mais sérieusement, il n'y en a pas un calice, genre. C'est en voici le premier tour rapide de Lyon. Oui, de Lyon au Nicaragua. C'est la dernière étape de notre passage au Nicaragua avant de monter vers le Honduras. Je savais pas, disons, si je voulais même dire au Honduras au début. Mais je pense que je vais faire la capitale. Puis j'ai vu une petite île proche de la frontière avec le Salvador aussi, qui paraît vraiment pas dispendieuse. Là, parce qu'il y a une qui est vraiment super dispendieuse. C'est Ruigan, bref, en Honduras. Puis genre, c'est juste le prix pour y aller. C'est vraiment dégueulasse. Genre. Donc, ceci étant, je vais aller sur l'île qui est sur le flanc ouest. Parce que Ruigan, whatever, est sur le flanc est. Si je ne me trompe pas, dans mon est-ouest. Puis, ouais, donc on va aller sur cette île-là avec la tente. Puis, à partir de là, je vais monter vers El Salvador. Guatemala va être en décembre. Parce qu'en décembre, c'est là que François Legault nous envoie 600$. Puis, c'est là qu'on devrait avoir le 200X$ de deux chèques de TPS de notre cher Justin Trudeau. Merci, XOXO. Faut que j'achète mes lunettes au Mexique aussi. Fait je vais faire ça, j'en vais pas à mon Noël. Donc, ça va être pour le planning pour les prochains jours. On espère fort que la Nicaragua, du moins Lyon, va nous permettre de finir le voyage sur une bonne note parce que réellement, pour le moment, le Nicaragua, c'est la grosse calice de marde. En même temps, était chouette. Granada, c'était surfait big time. Managua, capitale, j'ai passé vite fait, là, vraiment. J'ai juste fait 7 km, peut-être genre, un bout à l'autre de. Vraiment, c'était très grande ville. Je voulais dormir là au début, mais j'en chargeais genre à peu près des affaires comme 12 US la nuit, dans ce site, c'est genre 6. Fait que j'étais comme là. Oh. Donc, j'ai skippé vraiment en marchant, genre, mettons, le 7.x km d'une place à l'autre de Managua aujourd'hui. Oh mon dieu, des petits coups, je me souviens. Mais ouais, donc j'étais quand même heureux d'avoir skippé cette place-là d'un auberge trop cher, puis vraiment à pour la peine. C'est pour dire que Lyon. Et, en tout cas, oui, j'ai fait Mazaga aussi. Mazaga était bien. Mais, pas très touristique. C'était plus un lieu pour se reposer, genre, faire du Netflix, puis genre, il y avait aussi. Il y avait le viewpoint de Catalina qui était sick, genre.
Mais ouais, ça veut dire que Lyon a beaucoup de pression pour me pour faire en sorte que j'aie une bonne dernière impression du Nicaragua qui a été pour le moment assez fade comme pays par rapport à ce que je m'attendais. Ceci étant, il paraît que c'est la place genre à visiter ici. Donc, on va espérer que ce soit insane comme les gens le vendent. Donc, c'est pas mal ça.